Ah, ouais, petit dindon, ça va ou quoi? Ouais, je suis en plein boulot. Ouais, je suis au boulot, je me suis dit, putain, j'ai toujours pas sorti cette vidéo. Je voulais vous parler des défis de Karina, donc je vais envoyer en même temps, vous allez voir. Voilà, j'avais pas fait de défi de Karina, j'ai vu quelqu'un faire un défi de Karina il y a quelques jours avec Aegon. Et je me suis dit, wesh, qu'est-ce que c'est que ce délire? Du coup, tu prends Aegon. Là, j'avais pris Magneto Blanc, vous allez le voir. Donc, je vous cache pas que le premier morceau du combat. Je vais bégayer, je vais faire un peu de la merde. Et encore que ça se passe vraiment, vraiment pas mal. Vous allez voir, de toute façon, je joue. J'aurais peut-être pu mettre jusqu'au SP2, mais voilà. Voilà, vous allez voir comment ça se passe. Donc, c'est Aegon 3 étoiles, c'est défi de Karina des 3 étoiles. Là, je me foraxe un peu sur ma dext. Bon, vous connaissez, si tu recules, c'est kabam. Il arrive quand même à attraper un bout de ton bras et il te saute ton crâne. Donc voilà, je me suis dit, ouais, je vais lancer ce Karina. J'ai exactement mis. Putain. J'ai exactement mis 2 réas sur Ronan, parce que j'ai fait de la merde. 2 réas sur. Comment ça s'appelle Merde. Sur Venompool, j'ai fait vraiment du caca. Et tout le reste, et là j'ai mis. Comment ça s'appelle? J'ai fait une, deux. Je vais mettre 2 réas aussi sur. Je vais mettre 2 réas aussi sur notre très cher ami Mordo. Vous allez voir. Bon, maintenant je sais que je vous ai spoil. Comme ça on voit un petit peu, et puis je parle en même temps des Karina pour l'opening. Il y a des Karina, j'ai craché dessus, j'ai dit comme quoi c'était infaisable, contenu payant, contenu puant, contenu un peu cancer du jeu, mais voilà. Après quelques mois de réflexion, il y a moyen, mais je ne connaissais pas le moyen avant, de farmer. Voilà, je me parle, je sais pas comment j'ai fait une parade. J'ai farmé quelques. Vous allez voir, hein, je déconne pas. Hein, tu vois, 2000 et quelques, c'est vraiment le. Voilà, c'est vraiment la merguezouillette. Hein. Donc voilà, oui, j'en étais sur les Karina, c'était le, pour moi un contenu ultra payant, ultra cher. Mis à part, d'accord, où tu es obligé de réa, et c'est un peu chiant, celui des cyclopes, qui est vraiment, vraiment cancer de ouf, tu vois. Tu as les inhumains, ça doit être une sacrée purge de merde. On m'a dit le Star-Lord, sacrée purge, et à moindre mesure, mais qui coûte quand même une couille, les Canadiens. Tu vois, tu en as 4, je crois, sur 8 ou 9 Karina, tu en as 4 où vraiment, 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 ça te consomme une coucouillasse. Donc voilà, là, bah, quand vous allez voir la vidéo, j'ai déjà commencé à farmer des réas pour faire le Loki. D'accord, le Loki va être fait très rapidement. Puis dans la foulée, je me suis dit, voilà, tu vois, regarde, c'est marqué, c'est fait, le Karina, il est fait. Ici, là, je vais être interrompu par les membres de ma famille, des enfants, hein, tout simplement. Donc je me retrouve avec directement l'opening. Donc là, l'opening, vous allez voir, vous allez bien rigoler, vous allez bien rigoler. Mais ce Karina-là, Karina m'a coûté 6 réas, des soins. À savoir que les réas que ça m'a coûté, ce sont des réas que j'ai farmés dans les petits actes. D'accord, je vous referai une petite vidéo, genre, rappelez-vous, là-dedans, dans l'acte 3, on peut farmer de la réa comme un cochon d'Inde, tu vois. Des potions, j'en ai fait en veux-tu, en voilà, en pagaille, dans le, comment s'appelle, dans le RDL. Donc voilà, tu mettais 3 potions, 3 soins, une réa, et c'est reparti. Et j'avais même pas fait ça, je l'ai fait vraiment sur un coup de tête en mode à l'arrache. Donc là, on est parti sur, j'aurais bien aimé, vraiment, vraiment, doubler le bouffon rouge, mais j'ai Monsieur le Fauve, voilà. Donc j'ai un gros seum, un seum extraordinaire. Je reviens sur les Karina, je ferai une vidéo plus longue sur tous les Karina. Je vous montrerai les Karina ultra accessibles. D'accord? Il y a au moins 4 Karina où même si tu es un vrai gland du jeu, comme Do Argenté ou d'autres personnes, tu peux y arriver tout seul. Voilà, tous les autres, ils ne sont pas capables. Voilà. Moi, j'en suis capable. Là, je voulais Star-Lord pour augmenter sa comp. Médusa. Moyennement content, mais content quand même. On parle quand même de Médusa, un personnage sacrément cheaté dans le jeu, une bombe atomique. J'aimerais qu'elle soit doublée pour avoir les petites furies, mais même non doublée, le Médusa, ça reste quand même une petite bombasse. Je suis assez content. Donc voilà, là j'ai mis un étoile, désolé, je voulais aller voir juste Médusa, pardon. Voilà, donc on va aller voir Médusa. Vous avez vu qu'ils ont amélioré la texture du jeu. Voilà, je trouve ça vraiment plus joli, tous les personnages. Même sur là, j'ai mis en basse définition pour que ma batterie dure très longtemps et que j'ai pas de soucis de gameplay. Voilà, donc après, vous connaissez Médusa. Tout ça pour vous dire, mes petits dindons. Qu'il y a grave moyen de faire du Karina aujourd'hui assez facilement, assez facilement. Moi, je voulais faire Ghost, enfin faire la guêpe, tu vois. Ghost pour faire toute la ligne, enfin Ghost full synergique à Magneto Blanc pour la fin, pour être tranquille au cas où. J'ai pas la guêpe 3 étoiles, du coup, je me suis rabattu et c'est là que j'ai vu le mec jouer Aegon. J'ai dit putain, mais wesh, Aegon, j'avoue, je suis con sa mère. D'accord? Et là, j'ai appris aussi un truc, peut-être vous le savez pas. J'ai appris un truc, quand tu mets une parade et que tu as mis la pré-combat. La guidance de Magneto Blanc sur un Mordo, je ne savais pas, donc fouettez-moi. Tu peux parade Mordo et le taper, et vu que c'est passif, il n'y a pas d'évasion astrale. Et lui, tu les niques sa mère, tout simplement. Sur ce, mes petits dindons, voilà, c'était le double petit opening 6 étoiles du fin de. Moi, j'appelle ça des Karima, pas des Karina.
J'appelle ça mes carrés. Du Karima 5-3-1. Ah, voilà, avec Mordo et les 3 étoiles. Mes petits dindons, on se revoit pour celle de Loki. Et entre-temps, là, j'ai fait un giga gameplay. Je remercie encore celui qui m'a prêté son compte. Vous verrez, j'en parle dedans. Il m'a prêté une Circe 6R3, mon pote. C'est une putain de bombe atomique. Je vous jure, c'est mon coup de cœur. Alors, autant Spidey 99, c'est mon bébé, mais alors elle, c'est ma meuf. Ouais. Sur ce, mes petits dindons, bonne nuit à tous. À très vite. Et puis, bah, je vous reprends. Je vous dis, j'essaie de faire demain ou ce soir la vidéo. Ouais, petit dindon.